Guitar Express. Un grand bravo. Bonsoir Luc Tudy, écoutez, nous sommes très très heureux d'être ici ce soir. En plus, comme j'ai dit à la balance, il paraît qu'il pleut tout le temps en Bretagne, ce qui est archi fou, la preuve. Il fait un petit peu frisquet, on avait peur d'avoir trop chaud avec nos beaux costumes. En définitive, on est très très bien, on est protégé du vent. Donc je pense que tout le monde aura reconnu Apache, qui est le hit incontestable, incontesté des Shadows, qui est sorti en 1960. En Angleterre. Nous, en France, on a dû le trouver en 1961. Et on va enchaîner avec un titre, une composition des Shadows eux-mêmes qui s'appelle Shindig. Thank you.
premier grand succès, qui avait été nommé pour, comment dire, en l'honneur de ce navigateur là qui avait traversé je sais pas quoi là, l'océan en tout cas. Avec un radeau. Thore Heyerdahl. Voilà, bravo. Enfin un qui suit. Ah bah oui, avec le papyrus. Ça s'appelle Kon-Tiki. Merci beaucoup. On va enchaîner avec un très beau titre composé par Jerry Lordan, c'est-à-dire celui qui avait composé pour René Apache. Et il faut savoir que ce premier titre instrumental anglais, en tout cas, a été agrémenté par le producteur des Shadows, Nori Parabor, après qu'ils aient enregistré le disque uniquement en version guitare, avec un orchestre, je n'ai pas envie de dire symphonique, parce que c'est un peu exagéré, mais en tout cas avec des cordes, et tout un arrangement classique, si je puis dire, derrière. Malheureusement, nous, on n'a pas le rangement classique derrière, mais ça reste quand même un très beau titre qui s'appelle Wonderful Land. Le prix d'un, vous allez en avoir deux d'un coup. C'est pas qu'on les joue ensemble, on les joue l'un après l'autre. Pas la peine de les présenter. Sauf qu'ils ont été repris en français
par Betty Laclar. Le premier s'appelle Foot Pepper et le deuxième Dance On. Ils sont venus en français, je ne sais pas. Mon bonheur danse et je me sens bien auprès de toi. Thank you.
peu beau. Hein. On va voir si l'autre se débrouille aussi bien le bureau. Là. Vous connaissez bien le cinéma, vous ? Le cinéma des années 50, 60. Je pourrais vous demander à qui il vous fait penser, ce monsieur-là. Allez. Kurt Jürgens, exact. Absolument. Ah oui, il y a quelque chose. Il n'y peut rien. Bon, alors on va voir s'il est aussi bon qu'il est beau. On va vous interpréter maintenant. Il y a De Niro aussi là. Et Sacha Distel. J'endormais ça. Oh non! Le pauvre. Allez, soyons sérieux. Dans leur tout premier album, qui est le plus fantastique de tout d'ailleurs, les Shadows ont décidé de faire un petit morceau de jazz, un peu jazz. Ils ont cherché le titre, comment on va l'appeler. Et finalement, c'est Jet Harris, le bassiste du groupe à l'époque, qui a dit tiens, on va l'appeler du nom du soliste, mais à l'envers. Ce soliste s'appelle Marvin, on va l'appeler Nivram. Et voici Nivram. Avec un solo de basse du vieux derrière. Thank you.